Internautes, bonjour. Nous sommes de retour dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'un des sites les plus emblématiques et historiquement significatifs du Sénégal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons humblement de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo afin de faire découvrir au monde notre beau pays, le Sénégal. Pour cette nouvelle vidéo, nous irons ensemble à l'embouchure du fleuve Sénégal, situé à 264 km au nord de la capitale. Saint-Louis est l'une des plus belles villes du Sénégal, ainsi que l'une des plus importantes sur le plan historique. Elle a une population de 237 563 personnes. Depuis le 19e siècle, elle reconstitue un célèbre pont. En effet, le 2 juillet 1865, le pont de Sort est inauguré par arrêté impérial. Le pont porte le nom de Louis Federle, administrateur provincial du Sénégal entre 1864 et 1861, puis de nouveau entre 1863 et 1865. Le pont, qui vend depuis toujours la destination Saint-Louis à une longueur de 500 mètres, il s'agit d'un pont tournant constitué principalement de fer. Lorsque vous découvrez la ville et son passé illustre, c'est l'endroit le plus culminant, le plus visible et le plus captivant. D'ailleurs, le pont a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Oh. 143 ans après, le pont a souffert des corrosions avancées. Il a été rénové durant 3 ans, de 2008 à 2011, par le groupement d'entreprise Bartol, FH Sénégal, FH Construction Métallique et les sociétés d'ingénierie SGI, Consulting et CETEC. Le coût total de la réhabilitation a été de 22,5 milliards de francs CFA, soit 34,3 millions d'euros. Aujourd'hui, jour pour jour, cet édifice fait le bonheur de nombreux aventuriers et amoureux de la nature. Nous sommes arrivés au terme de ce nouvel épisode entièrement consacré à la ville de Saint-Louis et à son port. On vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et pour ne manquer aucune de nos activités, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Les aventures continuent.